Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va extrêmement bien. Ah, j'ai reçu un très très gros colis. En fait, j'ai reçu 3 colis. Liquideo, IVG Liquide, Levesse Distribution. Voilà, c'est 3 gros colis que j'attendais pas spécialement, entre guillemets, du moins pour cette semaine-là. Et du coup, c'est arrivé et je peux vous dire que j'ai sacrément été gâté. Alors du coup, on va passer directement à l'unboxing d'un peu tout ça. Je te remercie Victoria, Victoria responsable de chez Liquideo. Il y a un temps, le liquide Narnar, qui était un thé marocain, était sorti, je l'avais adoré, pas moyen de le retrouver. Donc du coup, merci Vic de m'avoir fourni ce petit Narnar, avec pas mal de petits cadeaux, que ça soit le petit Lipton Ice Tea, les Narnar du coup. Et également la disponibilité des Liquideo malaisiennes en 60 ml. Je vous avais fait une revue il y a très longtemps de tout ça. Moi, celui qui m'intéressait principalement, c'était le Sprite. Avec tout ça, qu'est-ce que j'ai eu de beau? J'avais également eu un petit sachet Liquideo. Je ne sais pas ce que c'est à l'intérieur. Bah, c'est encore des Narnars. Voilà. Donc, c'est encore des Narnars, tout simplement. C'est un liquide. Si vous adorez vraiment le thé marocain un peu sucré, un peu mielleux, il y a moyen que vous kiffiez ce liquide-là, qui est pour moi très très bon. Alors grand merci à toi, ma petite Vic. De toute façon, je t'envoie un petit message après. Également, et alors là, c'était carrément inattendu, IVG Liquide. Alors ouais, IVG Liquide, je ne savais même pas qu'ils allaient me renvoyer un colis. Mais du coup, ils m'ont envoyé avec les liquides qui ont été élus, donc meilleurs liquides de la Vape Expo. Vous avez su que toutes les Vape Expo dans le monde entier se sont finies. Donc là, j'ai eu le Lemon Million, le Orange Million, le Bubblegum Million, ça j'en ai, il est où l'autre? Il est dans mon tiroir, et le Spermite Million que je n'ai pas testé. Voilà, IVG Liquide, c'était carrément totalement imprévisible. Et là, je vous avais prévenu qu'il y allait avoir des vidéos toute la semaine, c'est parce que mon petit Olivier... Merci mon petit Olivier, tu m'as fait grandement plaisir. Il m'a envoyé masse de jus américain, masse de jus que tu vois toujours sur Insta et tu te dis « Oh putain, ils ont l'air trop bons mais je peux pas les tester !» Et bah Théo, il va les tester pour toi tout simplement. Et c'est un grand plaisir que me donne cette opportunité, c'est de tester tout ça. Alors, il y avait des liquides que je voyais sur Insta, des belles personnes américaines avec des beaux packaging. Bam, j'ai nommé les marshmallows. Les marshmallows qui me donnaient envie, ils sont arrivés en France dispo pour les magasins professionnels chez Levesse Distribution. Donc il y en a 3 première vue. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup beaucoup. Après il y a les Monsta Vape. Alors ça, il m'avait un peu spoil sur en message privé. Donc voilà, 3 fruités à première vue. J'ai également reçu un donut, classique donut, on verra ça, tout ça. Alors, la gamme alternative, ouais, c'était bien ça. J'en ai entendu parler, on m'a dit du bien de cette gamme-là, donc on va tester. Donc j'ai le Alpha, Beta, Omega, tout simplement. Après j'ai le Iota et le Delta. Je pense qu'on a tout fait. Packaging assez classique et assez sobre. Idem, on viendra parler de ces liquides-là plus tard. Merci, merci Olivier de m'avoir filé un Aqua. Vous savez qu'il y a très longtemps, j'avais gagné la gamme Aqua, si je ne me trompe pas. J'avais totalement kiffé ces liquides-là, ils étaient encore en nicotiné. C'est un régal. Alors là, c'est le Rainbow, Rainbow Drops, donc ça doit être l'un des tout nouveaux. Donc, on testera également ça prochainement. Et puis voilà, c'était vraiment un gros condensé de tout ça. Hop. Bon, après les packagings, on viendra vraiment parler de ça chacun notre tour, petit à petit, toute la semaine. Je pense qu'on a du planning. Également, merci Olivier de m'avoir donné un Vape Buddy. Alors, ça s'appelle pas Vape, c'est Smoke Buddy. Le Smoke Buddy, tu vois, on en a vu partout de ça. On en a vu sur Insta, etc. L'équipe de Refill Station a même fait une vidéo promo et c'est ce qui m'a donné envie de le tester. Me dire est-ce que si c'est fake ou pas, parce que l'une des personnes de chez Refill, bonsoir à toi, le teste avec un petit dripper ou un atto, je sais plus, mais assez petit. Et je me suis dit, ok,
c'est bien beau, mais est-ce qu'avec un gros natto, est-ce que ça fonctionne? Merci mon petit Olivier de m'en avoir filé un, c'est juste ça. Ça ressemble à tout ça. Donc on a une petite sangle si on veut du coup l'attacher. On retire le clapet du haut, le clapet du bas. On va juicer, pourquoi pas de narnin justement. Alors, ça va être tout simple. On va pas se prendre la tête. Dual coil. On retire ça avec les dents. On a peur de rien. Oh là 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 là. Le narnin, tu me fais grave plaisir. Oh ouais. Bon, pour le coup, c'est du 50-50. Hein. On va se prendre quelques petites puffs, l'histoire de voir que ça fonctionne vraiment bien quand même. Aïe, aïe. Alors, ça fait bizarre, mais du coup, je vais vous expliquer. Oh, le narnar, il est bon. On m'a proposé, je vous le cache pas, on m'a proposé une revue de ces fausses wrap ODB. J'ai bien envie de vous le dire, ces wraps-là, c'est bien des wraps officiels ODB. Voilà, allez pas pourrir l'image du ODB, elle est déjà très bien comme ça, c'est de la bonne qualité. Donc allez pas acheter des clones de ces wraps-là, déjà qu'un wrap, habituellement, si vous en fichez un peu de la renommée de la marque, achetez des wraps classiques noirs, mais allez pas acheter des clones de wraps. Comme quoi, ils veulent vraiment tout cloner. Ça marche bien et je suis en fin de batterie. Et ça fait une belle vapeur. Alors, là on aura juste ici l'entrée pour la bouche et la sortie d'air. Parce qu'évidemment, il faut quand même une sortie d'air. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une bonne bouffée de jus et on va tout recracher. Alors, attention, parce que le tirage est quand même très fermé, donc expirez pas d'un coup. Allez-y vraiment tout doucement. Mais une bonne bouffée quand même. Voilà. Toute la vapeur est à l'intérieur. Je pense qu'il y a un filtre à air qui est à l'intérieur parce que ça gling. Alors du coup, est-ce qu'il y aura une possibilité de changer de smoke buddy ou pas? Je pense bien. Je pense qu'il y a possibilité de changer tout ça. Alors... cette chose-là, on viendra en reparler plus tard parce que je vais vous expliquer les utilités de tout ça. Alors, c'est pas parce que vous avez ça qu'il faudra commencer à vous amuser à vaper un peu partout, que ce soit dans les commerces, dans des maisons où vous pouvez pas vaper habituellement, ou même dans des cinémas. C'est pas fait pour ça, c'est fait principalement quand vous êtes devant votre écran, devant votre télé, que vous voulez pas faire un maximum de vapeur. C'est très léger comme produit et ça, ça va être très très bien. Ça se place dans le sac très facilement. Easy to get. Bon allez, je vous remercie tous, que ça soit Liquideo, que ça soit IVG, thank you very much, but you are not French, plutôt. Très bel anglais, tu remarqueras. Levez, je vous remercie tous pour tout ça. N'oubliez pas, à partir de lundi qui arrive, une vidéo par jour au niveau des Joyce. Donc je vais vite me dépêcher de tout se tester, et on va parler de tout ça. Plein de gros bisous, faites pas mal de vapeur, on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos, c'était Théo. Ciao.